Salut à tous les amis, c'est Uchapi, qu'on se retrouve sur notre épisode 4 de notre Let's Play sur Transport Fever 2. Aujourd'hui, donc nous sommes en 1970 et on va faire un focus sur une chaîne de production de carburant de A à Z. Je vais essayer de vous montrer une chaîne de production de carburant complète pour approvisionner en fait nos nouvelles villes. Donc, rapidement, je vais refaire un tour de toutes les villes. Donc, Hooch City, donc ça, c'est la première ville que vous avez pu voir. Donc, maintenant, on est presque à 300 habitants. On a réussi à débloquer quand même pas mal de petites choses. Je passe rapidement. Hop. Ici, on a Dieudo City, pareil. Ça tourne, donc ça augmente bien. Ici, Maudugenou, donc ça c'est la plus grosse ville, 800 personnes, qui est toujours en pleine croissance. Ensuite, donc nous avons, dans l'ordre de croissance, Saint-José-sur-Manche, donc qui a bien grandi. Donc avec des pics assez énormes, hein, on a bien fait, bien bossé. Donc sur toutes ces grosses villes que je vous ai montrées, nous avons des aéroports. Donc avec des avions de ce style. Voilà. Donc les trains, c'est pareil, on est sur de l'électrique. Ici on a un train à grande vitesse. Donc le train à grande vitesse, on va essayer de le trouver. Il est où? Ici, ce petit enfoiré. Il est là. Il est juste ici. Donc c'est un train électrique qui va... Alors lui, je crois qu'il va à 180... Ah non, 100... il va à 140. Oui, non, il va à 140. Bon, voilà, ce sera... Ce sera à voir, ça c'est encore une ancienne locomotive vapeur à grande vitesse. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on a pour l'instant. On a un peu des chaînes à droite à gauche aussi. Ici, on a la ville de mon cul, hein, tout au fond, parce que mon cul est toujours tout au fond. Donc voilà, voilà. Donc mon cul, il sert à rien pour l'instant. À part à prévisionner Saint-José en briques, il ne fait rien d'autre. Donc aujourd'hui, je disais donc, on va s'occuper de... On va s'occuper de ça, de Carloan, pour l'approvisionner en carburant. Alors le carburant, si je dis pas de bêtises, ici déjà il vient, alors déjà ça on peut changer, parce qu'on a quand même débloqué pas mal de camions. Alors les camions, toutes marchandises, parce que c'est des outils, ça me plaît. Voilà, je vais remettre la musique, en fait, je vais la couper. Faire profiter de cette fabuleuse musique intégrée au jeu. Donc oui, le carburant vient en camion, donc c'est pas top top, bon, tant pis. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on est bien? Ah, on n'a pas assez de stock là, dis donc. Bah, je fais bien de regarder. Pourquoi ça galère? Ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de... Ah oui, c'est monté niveau 2, j'ai pas vu. Bon, bah voilà, ça tombe bien. Donc, on va... D'abord... Alors, pour faire du carburant, en fait, il faut amener du pétrole brut dans une première raffinerie qui, elle, envoie dans une seconde raffinerie, donc ici, est une raffinerie de carburant. Donc, au niveau 1, ça consomme du 400, je crois, ou 200. Non, ça va être 400. Sauf que là, on est niveau 2, donc ça va consommer beaucoup plus. Parce qu'en fait, en termes de consommation, pour deux pétrole brut, on sort un raffiné. Sauf que moi, j'en ramène que presque 200, donc voilà, ça consomme un peu trop vite. Et on n'arrive pas à avoir une production constante. J'en profite également pour vous rappeler donc qu'il ne restera que deux épisodes après celui-ci. Je vais essayer de faire 6 épisodes en fait par type de véhicule. Donc après, on va switcher sur la partie véhicule américain. Donc normalement il y en aura 6 aussi, je verrai bien si ça tient en moins, on fera en moins, ou alors je ferai peut-être un peu de campagne parce que j'ai pas non plus... j'ai pas montré la campagne également.
Donc ça pourrait être bien de faire ça. Du coup, c'est Ivry, route 2. Voilà, est-ce qu'on a un dépôt pas loin? Le dépôt est un peu loin. Ah. On va faire un dépôt. Alors le dépôt, bah, c'est là où vous allez en fait vos véhicules qui vont sortir. Par contre, ici, je sais déjà pertinemment que ça va être trop petit. Mettre ça là. Voilà. Donc là, ça va tourner à blinde. Ah, on va prendre des camions-citernes. On va en faire une quinzaine, ça devrait être suffisant. Vous voyez, on commence à avoir pas mal de lignes. En tout, on gère 2 millions de marchandises et à peu près 200 000 personnes. Pas dégueulasse non plus. Donc on a un bénéfice de 6 milliards. Qui est en constante évolution, on n'a pas trop de dépenses non plus. Essayez de faire attention. Donc là, ça devrait être bon, je pense. Ouais, on verra bien. On va accélérer un petit peu le mouvement. Donc ici, nous avons notre ville. Enfin non, n'importe quoi, nous avons notre raffinerie de pétrole qui est déjà en train d'approvisionner cette ville. Et nous, on a besoin d'aller à Kerlouan. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se servir des bateaux, je pense. Alors par contre, ici, je sais pas ce qui se passe. Mais ça va être la dèche. Ok, en fait, ça amène du bois, mais ça a l'air de bouchonner un petit peu. On va baisser le nombre de camions. Je crois qu'il y en a un peu trop. Je préfère qu'il y ait moins de camions, mais qu'ils arrivent plein. Toute l'inverse. Ok, donc on va faire un premier dépôt. Contre cette route-là, elle ne me plaît pas du tout. Ce sont les routes encore par défaut, je vais peut-être les enlever. C'est même pas droit ce que je fais. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Hop, donc là on va faire une route qui sera beaucoup plus rapide. Normalement les lignes passent là, ouais. C'est pas trop débile encore comme jeu. Donc là, normalement, ça devrait aller vite. Ouais, après, de toute façon, il n'y aura plus personne sur les côtés. Ici, comment ça se passe alors? Est-ce qu'on est mieux ou pas? Oula, 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 ici, il faut mettre plus de cargo, disons. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand. Ah oui, si, j'ai beaucoup de camions qui font des allers-retours, mais à vide pour l'instant, ce qui est logique. Je ferais bien une autre route, hein, parce que quand même, c'est pas top. On perd du temps. On fait quoi? On fait des trous, ça? Allez, on fait du. Du remblai, comme on dit. On va faire un tunnel quand même, on va pas tout couper. Hop, on va atterrir ici. Après, on pourra faire des autoroutes hein, quand on aura. Comment dire? Quand ça ira un peu mieux. En tout cas, là, déjà, ce sera plus direct, ce sera plus simple. On aura plus de carburant, donc par contre, ici on a un seul terminal utilisé.
Donc je dois acheminer du carburant ici. Carburant, c'est ça. Alors, carburant. Carlohan, route. Le bateau, normalement, il va pouvoir tout prendre. Faut juste qu'ici, en fait, je refasse une ligne. Est-ce que ça prend? Ça, ça a porté, on a de la chance. Et on va l'amener à Louisville. What? Et juste là, ok. Par contre, on va bien regarder où on va la poser parce que on n'a pas de dépôt. Alors, nos dépôts. Là, non, en plein milieu. Allez, c'est parti. Ouais, alors, il faut pas hésiter aussi à détruire un truc. Voilà. Donc là, on a un superbe bug. Superbe bug. C'est pour ça, sinon ça le fait pas. Donc maintenant on peut faire notre deuxième ligne. Donc ah, je fais n'importe quoi. Donc on peut appeler ça carburant. Carlohan route 2. Voilà. Faut que je crois que j'ai deux. Il s'appelle pareil. Non, ça route 1, route 2, ok. On va mettre des véhicules sur ce tronçon. Alors, on va pas acheter de bateau, par contre. Des pots de voirie. Et en fait, la ligne ne démarre que si vous avez... en fait, l'ensemble de votre... ligne, votre acheminement qui est... qui est fait. C'est-à-dire que là, maintenant, en principe, ici, ça devrait augmenter. J'ai bien dit en principe. Parce que c'est pas dit que ça augmente, en fait. Pourquoi d'ailleurs? Lui, de toute façon, pour l'instant, il va pas prendre de choses. Non, Charlwan n'est pas relié, il y a un truc qui manque. Ah, c'est sur ces bateaux. Sans ce soit ces bateaux. Qu'est-ce qu'il veut? Il peut peut-être pas prendre de carburant en fait, lui. Si, toute marchandise alors. C'est pas un pain de ma gueule, les dents. bah, je sais pas trop, on va les remplacer quand même. De toute façon, déjà ici, il faut que ça démarre en fait. Ah, si, bon, ça va, c'est parti. Normalement, c'est parti. Ah, non, mais j'ai pas mis de véhicule. Ouais, voilà. Pas mis de véhicule sur ce truc. C'est normal! Donc là, il m'en faut au moins 20, je pense. Parce que c'est une longue route. Donc là, maintenant, ça commence. Là, ça va augmenter. Et là, là, les gars, préparez-vous, j'ai envie de dire. Ça va envoyer du pâté. Ça va envoyer du pâté. On va faire ça aussi parce que on a un accès à la route qui est dégueulasse. Alors attention parce que là maintenant on a des routes qui se bloquent.
Ouais, on va pas faire ça comme ça. Celle-ci, elle va aller là. Voilà, le but c'est qu'il n'y ait plus cette route qui passe là. Uniquement l'autre. Il sort. Donc là, ça devrait aller mieux. Avoir des camions un peu plus remplis déjà, ce sera bien. Déjà, ça sera pas mal. Ouais, par contre, ça sur cette route-là, par exemple. Donc ça, c'est des camions qui amènent. Ouais, bah, ça m'intéresse pas des camions à 5 sur 20 là. Ça devrait aller mieux comme ça. Ouais, je préfère un camion qui part au moins à, allez, à 10, 7 sur 21. C'est mieux. Beaucoup mieux. Ouais, là c'est un peu le bordel également. Donc là on a deux terminaux. Sauf que ça va pas du tout, il faudrait relier les deux, bah oui voilà. Comme ça ils se servent là et c'est tout quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Non, je ne pollue pas la planète. Putain. Bon, pour l'instant, ça va pas être très rentable en fait. Hein. Parce qu'il faut qu'ils viennent avec du carburant. Mais normalement, ici, on doit déjà en avoir un peu. Pas encore. Oh, c'est camion. Camion d'outils. Ouais, c'est normal. Qui soit comme ça. Ok, donc maintenant, normalement, ça ne va pas tarder à arriver sur notre port de l'autre côté. Ici, nous avons déjà des outils. Alors, les outils, ils viennent jusqu'où en fait? Ah oui, ils viennent en bateau. Oui, ils viennent en bateau. Pas l'air hyper efficace ces bateaux là, on en supprime un, histoire de faire des économies. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les véhicules ont un peu changé. Un peu, je vais mettre en... vous avez des petites voitures. Faire un petit screenshot, tiens. Hop. Typique des années 70, donc ça c'est assez cool. C'est plutôt cool. Niveau transport, je pense pas que je sois optimal. Oui, bah ici en fait. Ah, mais on n'a pas mis de transport à Carlone. On va mettre des transports, tiens. On va mettre des transports. Alors ici, en vrai, si je voudrais améliorer la chose, il faudrait que je mette ça là. Non, ce qu'on va faire, tiens. On va attendre que lui décharge quand même déjà. Allez, casse-toi. Casse-toi. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'il attend? Oh putain, c'est long. Méga long. En fait, on va faire le port ici. Comme ça, on mettra un dépôt de camion pour que ce soit plus simple. Donc, on va faire pour grand bateau. Et on va faire ça comme ça. Un peu plus comme ça. Hop. Donc là on n'est pas porté, on doit faire un dépôt juste derrière. On va faire un dépôt comme ça. Bien comme il faut. Hop.
Et ce qui est bien, c'est qu'avec le dépôt que j'ai mis en plein milieu, on va pouvoir l'utiliser pour apporter des outils. Outils Carloan. Alors, ouais, c'est route 1, je pense. Ouais. Donc voilà maintenant donc notre bateau donc, qui traverse. Putain, mais sérieusement. Il y a encore des bugs dans le jeu, hein. Un bateau qui traverse des nouveaux éléments magiques. Magique, magique. Alors, on peut faire des petits camions, on va faire des petits camions là, petit truc. Sorte de tuk-tuk. Tuk-tuk. Ouais, on s'amuse comme on peut, désolé. Non, mais ils sont assez sympas ces camions, je trouve. C'est une sorte de petit camion japonais en fait. Qui apparemment sont toujours en construction, hein, ce que le jeu nous dit. Donc, on va faire ces petits camions. Qui vont nous permettre d'acheminer des outils donc à Carloan. J'aime pas trop ce nom Carloan, mais bon, soit. Suat! Ah, il vient en fait avec du carburant, enfin. Oh là, mais c'est le bouchon là, dis donc! Oh là là! Qu'est pas ça? On a quoi ici? On a deux trucs de bois. Donc, ça, on va le mettre ici déjà. Et le bois en 1. Est-ce que ça débloque quoi que ce soit? Ouais, je sais pas pourquoi il s'arrête tout cela, mais bon. On va faire un accès ici, peut-être. Bon, des fois, faut pas chercher, hein. Pourquoi il s'arrête? Mais, vous n'êtes pas à me faire chier, putain. Si je fais ça fait quoi? J'adore quand tu fais des routes en fait et que les mecs s'en foutent complètement. Ça va être un peu débloqué, on verra bien. L'idée c'est qu'ici on n'en manque pas. Hein. Alors mon bateau là il arrive à combien? À 2? Ouh. Ah mais j'ai 3 bateaux! Non mais non, mais non, mais non. Non, négatif. Pas compris. Hein. Ah, ça apporte des planches là? Oula, alors là ça apporte des planches en. C'est moche. C'est moche, on pourrait faire un beau petit train. On va faire un train, parce que j'aime pas trop le truc là. Donc du coup, on va faire notre. Petite gare pour amener les planches. Ça nous fait quand même pas mal de camions. Regardez si on enlève. Si on enlève tout ça. On a 20 véhicules. Ça me plaît pas. Ouf. Ça ne me plaît pas du tout. Même le bois, en fait. Le bois, on pourra le ramener en train. Maintenant qu'on a des trains un peu plus puissants. Alors je vais mettre deux voies. Caténaire, oui, il me faut des caténaires, on va faire de l'électrique. Par contre, je me suis trompé. Marchandise terminus. Alors attention, où est-ce qu'on va aller? C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ici, on a quoi? On a juste du bois qui vient des planches. Oui, parce que c'est une usine, forcément. Alors attention, parce que ça vient du nord. Putain, ouais, il y a pas mal de routes là qui sont embêtantes.
La roue, je vais la faire passer comme ça. M'embête cette route. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal. Hop. Donc on va faire une gare. Une seule voie. 160 mètres parce que c'est quand même des gros trains, je pense, qui vont venir au bout d'un moment. Du coup, la gare, ouais, on va faire... Ouais non, en fait, on peut le faire comme ça peut-être. Ah, parfait. À l'arrache. Bien à l'arrache, comme on aime. Allez, on trace le truc. Ah, par contre, on va peut-être commencer à dévier. Oh, elle est dégueulasse ma courbe. C'est dégueulasse. Ah, quoique. Ah non, en fait, ça va. Je pensais, mais non, en fait, c'est potable. Donc on n'a plus qu'un véhicule, ça c'est plutôt pas mal. On va faire la ligne de train parce que ici il faut que ça allonge la route. Hop. Ah oui, mais non, mais c'est n'importe quoi que j'ai fait. C'est à cause de ces arbres là, j'ai pas envie de piquer les arbres. Garde un peu de verdure. Mais je crois qu'avec le virage là, on est un peu embêté. Je crois que les arbres, fuck. Hein. Ah, c'est dommage, on ralentit beaucoup là. 87. En vitesse, ouais. 87, le virage il est trop serré. On va faire ça comme ça. Ah, décidément. C'est important d'avoir des belles lignes parce que sinon après vous pouvez pas avoir des trains qui vont vite. Alors 120, ouais, trop bien. Cette musique elle est ouf. La merde. Voilà, donc là on a deux lignes de train, on va faire un dépôt là, tranquille. Et persil, la face tranquille. Aucun rapport. Belle courbe. Faire un peu des trucs dans tous les sens, comme ça on est sûr que le train peut sortir. Voilà, donc maintenant on fait une ligne. Donc là on a du bois qui va partir d'ici. Donc je disais du bois qui part de là. Ah, du bois qui part d'ici, qui arrive là. Donc c'est du bois. Qui va où?
qui va loin. Voilà, maintenant on va faire la partie planche parce que c'est des planches qui ressortent une fois qu'on a transformé le bois. Donc c'est du Biorel train. Hein, voilà. On a quoi là en fait? Là on a planche, on a route 1, on ne sort plus rien. Donc on va faire des gros trains, je pense. Ouais, sous moins ça. Planche Biorel. Voilà, là on est parti. Boop, boop. Le train, dans toute son élégance. Voilà, donc il est parti. Donc, ça c'est quoi, bois? Donc on peut l'envoyer de l'autre côté déjà. Quoi? Ah oui, d'accord. Il n'était pas sorti complètement. Oh l'avion! Oh l'avion! Oh l'avion! Alors vous pouvez voir que les avions, enfin tous les véhicules se dégradent. C'est-à-dire que sur les avions j'ai une maintenance assez forte. Mais pour autant... Ah non, il n'était pas à fond. Oh, bah, tant pour moi. Bon, il est toujours aussi dégueulasse. Plein de rouille. Ayez confiance. Ayez confiance. État médiocre, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En plus, il n'y a personne dans les lignes. Putain. Ça sert à rien cette ligne en fait. Ne sert à rien du tout. Bon alors, Saint-José, en fait on s'est un peu éparpillé. Donc là on a refait cette ligne de train, de bois. On va juste vérifier que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, ça fait du bois. Pouf. Lui il est parti presque plein. J'ai l'impression qu'il galère un peu à tirer la charge. En soi, c'est pas plus mal, hein. Bon, là, y a 20 planches, donc ça sert à rien du tout. Ça remplit deux trucs, même pas. Voilà, là, il en a apporté 80. Mais il en consomme énormément, hein, j'ai l'impression. Donc on va peut-être lui mettre une loco plus robuste parce que celle-ci, bon. Ah ça va à 200 quand même. Sachant que les marchandises, elles vont qu'à 120. Donc ça sert à rien. Bon, on verra bien. Le principal, c'est qu'il est... qu'il ici part à plein en fait. Ce qui me semblait, il y a un petit truc en trop. Donc là, c'est bien, ça lui enlève quand même quelques tonnes. Donc il va être un peu plus réactif, plus rapide également. En plus, j'ai l'impression que le train est beaucoup trop gros. J'aime bien cette petite loco là, elle est bien. Elle est moins chère, puis elle fait le taf. Mais t'as pas besoin de mettre des grosses locomotives forcément. Ok, on a de la 60. Bah, je revérifie quand même ma chaîne, parce qu'en fait c'est important que on ait autant d'outils, mais également
pas mal de carburant, donc je vais vérifier d'ailleurs l'ensemble de la ligne. Il dépose. Et hop, il prend. Ok. Bah écoutez. Écoutez. Je vous vois les gens maintenant. Par contre, là, en fait, c'est là que ça merde, en fait. C'est pas normal, vous voyez. Ils sont bloqués, en fait, par les autres, là. Ouais, ça pue les culs, en fait. Non mais par contre, faut m'expliquer pourquoi ils veulent pas passer là, quoi. Cassez-vous d'ici, en fait. Un truc de fou, ça. Voilà, on va faire un street access dégueulasse. Mais bon. Apparemment, personne ne veut comprendre. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, lui, de toute façon, on n'amène que du 13, hein, donc là, il y a. Petit problème. Y a encore beaucoup de camions sur la route, hein, j'avoue. Mais après, ça va changer quand on aura les gros semis. Là, c'est des petits camions. C'est pas top top. Pour moi, tout est ok en fait, hein. C'est juste que. Ça galère quoi en fait. Alors, on peut peut-être faire un petit truc sympa ici. Ça s'appelle un petit rond-point. Alors, on peut faire plusieurs voies, on peut l'agrandir. On va le faire comme ça. Ça, c'est le truc qu'on débloque, qu'on n'a pas au début. Plutôt cool. On pourrait faire des autoroutes, mais bon, on n'est pas encore là. Alors je sais pas si ça va mieux en fait, hein, niveau circulation. Bon, on verra bien. On verra bien. Moi j'ai limite envie de faire un autre truc pour prendre là. Ça me plaît pas trop ça. Ça on va bien voir ce qui part pour chaque ville. En l'occurrence, il n'y a rien qui part en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il a mis du pétrole, donc c'est normal. Ouais, où sont les autres camions en fait? Y'a personne qui va chercher le carburant ou quoi?
On peut attendre comme ça longtemps, les gars. Hein. Ah, enfin! Il n'y a plus personne ou quoi sur cette route? Bon, j'avoue, c'est loin. J'avoue, c'est méga loin. D'ailleurs, un train serait peut-être plus judicieux, j'ai ça. Voilà. Mais ils sont mes camions pour Kerlouan, je comprends plus. Où sont mes putains de camions? Ouais, c'est celle-là. Hein. D'accord, donc je repars à vide. Parce que là, il n'y a rien de produit. C'est quoi ce merdier? Y'a un problème ou quoi? Y'a un problème, je pense, quelque part. J'ai oublié un truc. Là, c'est bon. Eux, ils amènent là. Pas comprendre. Oui, on peut vite se prendre la tête. Hein. Là, je creuse un peu. Ah, mais attends, 200. Ah, c'est pas compliqué. Consommateur. On est à 6 sur Kerlouan. What the fuck? Devrait me produire plus. Putain, je comprends pas. On va refaire la ligne, hein. Ça, je sais pas, il y a peut-être eu un bug. Donc nous voulons du pétrole. Jusqu'ici, s'il vous plaît. Enfin, du carburant, pas très exact. Carburant. Donc ça n'augmente plus. C'est pas ça. Je crois pas que c'est le bateau qui pose problème ou... C'est chiant en fait. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Bon, bon, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon on a terminé notre comment dire de relier la ville, après ça fonctionne pas, je vais pas prendre le temps sur la vidéo pour régler ce problème. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires et
à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner. Ça, c'est vachement cool. Ça m'aide et ça me soutient. Retrouvez-moi aussi en live sur le lien qui va apparaître sur ma petite vidéo de fin que je me suis amusé à faire. Donc voilà, on se retrouve bientôt et surtout, mangez pas trop de foie gras à Noël. Ça, c'est important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, ciao, ciao. Thank you.